Ça répare pour une coopération New Look, toujours au beau fixe entre Kinshasa et Caire. À l'entame du second mandat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout fraîchement réélu, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre entre les deux capitales, y compris dans le domaine très important de la science. C'est dans ce cadre que le pays des pharaons vient de faire un don à la RDC d'une valeur inestimable des équipements d'observation volcanique et des préventions volcaniques. J'ai eu l'opportunité de présenter un don de l'Égypte à la RDC. Ce don est un nombre de stations sismiques pour le centre de l'observatoire volcanologique à Goma et le centre de recherche à Bukavu. Ça vient dans le contexte des relations amicales, fraternelles qui lient l'Égypte à la RDC. À cette occasion, l'ambassadeur de l'Égypte en RDC est également revenu sur le rôle de ces équipements. Ils servent un rôle très important, c'est de prévoir les éruptions volcaniques. Donc comme ça, un rôle très important, prévoir, donc pouvoir alerter les populations à côté des volcans pour quitter les lieux qui sont un peu dangereux. Signalant par ailleurs que ces matériels PEMPA 9 vont être installés prochainement à Goma, au nord Kivu, mais aussi à Bukavu, au sud Kivu.